prince. Votre Altesse, que faites-vous ici? Que se passe-t-il? Des émeutiers ont pris d'assaut le château. Des émeutiers? Vous êtes vraiment pas au courant? Je reviens de campagne. La situation s'est dégradée à ce point. Mais... et votre père? Attendez, votre Altesse, que faites-vous? Je vais au port. Je vous y guiderai. Pas la peine, je peux me débrouiller. Vous êtes fou? Vous ne pouvez pas partir seul. Ils ne s'arrêteront pas à votre père. Ils vous tueront, vous aussi. D'ailleurs, le port n'est pas par là. Faites-moi confiance. Franchement, je peux te dire que c'était sûr, le roi a causé tellement de guerres. Forcément, ça finit par se retourner contre lui. Mais tout de même, je pensais pas qu'on irait jusqu'à le tuer. T'en fais pas, maintenant qu'on en est débarrassé, la paix va s'installer de nouveau. T'as peut-être raison, c'est vrai. Que comptez-vous faire maintenant? Vous êtes jeune, mais... Mais quoi? Se rester fidèle au roi sauront vous guider. Hein? Me guider où? Vers le trône. À mon avis, il n'y a plus de trône. Mais le peuple... Le peuple se débrouille très bien sans moi, non? Vous l'avez bien vu? Tenez. Je ne peux pas accepter. Si, si, c'est un cadeau. Enfin, mon prince, il est d'usage de jeûner à la première nuit d'un deuil. Nous devons honorer la mémoire du roi. Oh. À votre guise. Oh. Vous embarquez avec moi? Non, mais je vais vous escorter jusqu'au bateau. Restez sur vos gardes. Il est là! Où ça? C'est l'assassin! Attrapez-le! Hé, lâchez-moi! Arrêtez, lâchez-moi! Hé! Que faites-vous? C'est votre prince, laissez-le! Un prince qui tue son père n'est plus un prince! C'est un traître! Quoi? C'était ce roi qui tuait son pays! C'est vrai, le prince n'a fait qu'y mettre un terme. Silence! C'est pas votre prince, alors c'est le nôtre. Libérez-le! Taisez-vous! Libérez-le! Vous êtes chevalier, non? Faites quelque chose! Les chevaliers ne servent que leur roi. Reculez!